je me sens pas très très bien. Oh, Comment ça, tu te sens pas très bien? non, j'ai. C'est mon ventre, il fait des drôles de bruit. Ça vient d'où? Et ça, ça vient du lait de la vache. Ah! On n'a pas de photo pour vous montrer la vache. Ou de la chèvre? La chèvre. On vous envoie une photo. Et là-bas en poudre blanc, là, c'est quoi? Ça, c'est de la farine. Et on en met beaucoup dans les gâteaux. Comme... Mais c'est quoi la farine? Là, bah, oui. Ça vient d'où? Du blé. C'est quoi? Ce gâteau-là, c'est pas pour tous les gâteaux. Et ben, il y a des amandes en poudre. Donc, il y a des amandes normales. Oh, ça alors? Oh là là, il y a beaucoup de choses! Il y a des amandes normales qui sont comme ça. Voilà. C'est quoi les amandes? Alors, je sais pas trop en fait. Je sais pas d'où ça vient. Non, ça vient d'un amandier. Un amandier? D'accord. Et okay. On a des amandes, hein. Donc, voilà. Très bien. Merci beaucoup, les filles. Non, et c'est plus... de ne pas casser les blancs, mais... D'accord. Ah non, non, casse pas. Il n'y a que du chocolat, là? Alors, non. Il y a la poudre d'amande qu'on vous a montré. Ouais. Il y a... La levure, ah, la oui. Farine, le beurre, les œufs. Tourne. Que le jaune? Oui. D'accord, parce qu'avec le blanc, vous avez fait quoi? Avec le blanc, on a fait des blancs en neige. Ah, oula! Dedans. D'accord. Dans les oreilles. Il s'appelle ton gâteau? Non. Oh non, mais gâteau moelleux. Gâteau moelleux au chocolat. Ça va pas être mou, ça va être pas mal. Waouh! Waouh! On dirait une galaxie! Waouh, trop bien! Il faut des mélanges, là, j'ai pas compris. Je moule le bleu, là. Ouais, je mets le bleu, là. Ouais, je suis au mélange, on mélange. On met tout, on mélange. On mélange. C'est plus compliqué que les cheveux de bleu quand même. Ah, il faut la cuisine, c'est ça. Oh, la cuisine, j'adore ça, la cuisine. C'est beau, hein. C'est ça fait des galaxies avec des... C'est bleus. Comme nous, quand on va chercher les petits geysers et qu'on met la bouche dedans. Ça fait la cuisine. On se régale. Bon, eh ben, c'était trop bien tout ça. Et tu crois que les tétériens, ils mangent aussi des choses différentes que les gâteaux?
Ben, je sais pas, peut-être qu'on peut leur demander. Oui. Fais voir. Est-ce que le prochain... Vous expliquez, Azipli et Yorglou, qu'est-ce qu'on mange? On mange du poulet. Du poulet? Qu'est-ce que c'est du poulet? C'est une truite de canard. C'est un truc de canard? Non, c'est une pâte comme ça, c'est une pâte de volaille, d'animal. C'est une pâte de coq. Une pâte de coq, exactement. Ouais, c'est vrai. Non, c'est pas que de... c'est une pâte de dinosaure. C'est bon le poulet? Mais non, on mange pas de dinosaure. Et non, qu'est-ce qu'on mange avec ça? Qu'est-ce que t'as fait, Loua, à côté? J'ai fait ça et j'ai mangé. Ouais. Le poulet, c'est de la viande. Et la purée à côté, c'est quoi? C'est juste la purée. C'est de la purée de quoi qu'on a fait? Qu'on a mixé? Des pâtes et des courges. Ouais, c'est vrai, c'est de la purée de pâtes et de courges. Et ça, c'est des légumes. Des végétaux. On est des omnivores. Parce qu'on mange un petit peu tout. Moi, je suis un carnivore. Toi, t'es un carnivore? Ouais. Ouais? Ouais. Mais t'aimes bien aussi les fruits? Non. Non? T'aimes pas les abricots? Je suis un herbivore. Moi, je suis un carnivore. Un carnivore. Et qu'est-ce que c'est un herbivore? C'est un diplodocus. Un diplodocus, par exemple? Il mange des feuilles et des arbres. Voilà, c'est qu'il mange que des feuilles et des arbres. Qu'il mange que de l'herbe. Comme là, comme le diplo et comme là, la vache aussi, par exemple. Et aussi comme la girafe aussi. Aussi comme la girafe, oui. Comme qui encore, les herbivores. Il est bon ce poulet. Hein. Il se met comme ça, les diplodocus, et attrape les feuilles. Ah ouais. Trop chouette. Avec son grand cou. Comme la girafe. Hé, Yorglou! Oui. T'as vu, c'est drôle quand ils sont à table. Ah oui. Ils mangent avec un truc où il y a les choses dedans. Oui, ils ont une sorte d'outil aussi. T'as vu, ça pique, hein? Ouais. Mais ça avait l'air bon, hein. Ils ont mangé du dinosaure, je crois. Ah ouais, du triceratops ou je sais pas quoi, là. Mais c'est bizarre, parce que il a dit que ça avait disparu et ils le mangent. Peut-être qu'ils en avaient conservé. Ah ouais, peut-être qu'ils l'avaient mis au conservateur, ou peut-être qu'ils l'ont trouvé dans la montagne. En tout cas, moi, je te dis, ça avait l'air vraiment très très bon, ouais. Et je goûterai bien tout ça. Oui, moi aussi, hein. Hé, ah. Quoi? Tu crois qu'ils vont nous faire encore d'autres reportages? Ah, oh, j'en sais rien. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est l'élément principal. Je t'en avais parlé la première fois. Attention, je te répète la question. Quel est l'élément qui vit sur la Terre et qui change trois fois de... Je sais. On dit la planète bleue parce qu'il y a beaucoup d'eau. Alors, c'est l'eau. Ah, et l'or, elle peut changer trois fois. Qu'elle devient quoi? Liquide. Oui. Solide. Ouais. Et gazeux. Voilà. Et parce qu'elle est ni trop loin, ni trop près du soleil. Entre les deux. Et c'est ça qui a fait que la Terre, elle est fantastique. Mais ça veut dire qu'il y a tout un cycle. Oui. Parce que l'eau, on verra bien, elle est quand même vraiment, vraiment spéciale. Et quoi? Les petits terriens, vous pouvez nous parler de l'eau? Oui. Parce que chez nous, il n'y en a pas. Il y a juste du gaz. Oh, de l'eau. Bah ouais, quand même. La planète bleue, ouais. La planète de l'eau et de la vie. Je vais t'apprendre une petite chanson d'ailleurs. Oui. Les petits youpisiens dans l'eau font des bulles. Les petits youpisiens dans l'eau.